Yo yo yo, salut les gens, on se retrouve sur Rust en QG Pro Hardcore de mon grand frère. Voilà les gars, bon ça va être un petit gameplay à la Vector de Inouf Killer. Bon c'est moi, hein. Inouf Killer avec 3 N si vous voulez me rentrer, hein, parce que j'ai pas d'amis sur le PlayStation Network. Bref, allez vas-y présente un peu la classe. Bon, il est au Vector balle chemisée, Rafika silencieux et comme à tout. Semtex par contre je l'utilise parce que la Semtex est très efficace comme grenade, elle colle partout, c'est super. Bon, par rapport à MW3, parle un elle est peu de la mieux. Vector non? Ouais, vas-y, je te laisse en parler comme Ouais, c'est bah toi la qui. Vector, en fait, moi, mon but c'était de présenter un peu toutes les armes parce que tout le monde utilise les mêmes armes et faire une petite bonne partie à la Vector parce qu'en fait elle est pas du tout utilisée en mode normal et en hardcore Même en normal, avec. tu t'en sers, hein. Ouais, mais plutôt en hardcore elle est vraiment très cool quoi. En une balle elle finit et vu qu'elle bouge pas trop dans ses 3-4 premières salves de balles, c'est vraiment efficace quoi. Ah oui. Et le défi à la base c'était de lâcher la nuke quand même, alors il est le harrier, mitrailleur hélico et bombe nucléaire. Et là je campe comme un campeur, un tzigane caché dans son camping-car. Et vous allez voir je que ça vais va me lui faire porter déloger, préjudice voilà. et. Comme un vilain garçon je me fais punir. Alors il s'en enchaîne un là, il envoie un Bon, deuxième. et là pendant pas mal de temps je vais me faire avoir par un petit coquin avec RPG, lance-grenade, donc on va parler d'autre chose parce que le gameplay est pas très intéressant, Au regardez là. début, au début Au début il après. est pas très intéressant parce que j'ai très mal, vous voyez. Je vais dans pas longtemps je vais m'allonger par terre avec des crampes qui vont me faire très mal, voilà. Voilà. Donc on va parler de BioShock. BioShock c'est un jeu dont le troisième opus va bientôt sortir. Il arrive à vous plonger dans une situation incroyable. Vous avez l'impression d'être enfermé dans les années 20-30 avec des scientifiques fous furieux. Et le 3 va bientôt sortir. C'est un jeu que j'adore et je vais vous faire quelques gameplays dessus. Bon, vous dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Il y a d'autres jeux, on a FIFA 12. Parce que Louis aime pas trop jouer à FIFA, mais moi ça m'intéresse. C'est un jeu assez intéressant, assez technique en plus. Donc ça pourrait être cool. Moi c'est vrai, moi je joue pour lui faire plaisir hein, on va dire parce Ouais, que une fois tous les 2 ans quoi. et là j'ai proposé la vidéo à Code QG en espérant qu'il la prenne puisque c'est vraiment un super score comme vous avez pu voir sur le Voilà, titre. et ça pourrait faire quelques abonnés en plus, ça peut être sympa et voilà. Ça serait cool quoi de te faire un peu plus connaître ma chaîne puisque ma chaîne c'est pas s'abonner et ne plus me suivre puisque je ferai des vidéos toutes les semaines ou encore des fois il y aura des petites coupures comme j'aurai le brevet dans pas Ouais, en longtemps. fait quand il travaillera pas, vu qu'on a plusieurs gameplays sur MW3, le 2, Black Ops et peut-être sur le 4, et ben on pourra vous en filer de temps en temps et en commenter quelques-uns. Si vous avez une chaîne YouTube, hein, et ben c'est toujours sympa de cliquer sur j'aime parce que ça aide vachement le développement de la chaîne, hein, c'est super sympa. Ouais, et maintenant en plus on a Omeraman a tout le matériel pour commenter, donc il va pouvoir faire ça très régulièrement. Donc vous voyez que par contre l'objectif, j'ai un peu. Ah, attendez, petite parenthèse, je suis aveugle à force de me faire frapper par tout mon entourage, je ne vois plus rien. Donc, alors là, confiture, plein de confiture, là je vais tenter le petit dropshot. Et vous remarquerez que sur MW2, par contre c'est mieux fait parce que la confiture s'efface au bout d'un moment. Quand vous récupérez de la vie, alors que sur MW3, vous avez l'impression d'être dans un pot jusqu'à que vous creviez, quoi. C'est insupportable. Bref, arrêtons de nous plaindre. Franchement, ça fait partie du jeu, hein. Ils l'ont choisi, hein. On laisse comme il est, on va pas changer le monde à nous tout seuls. Oh, c'est beau ce que tu dis, je t'aime. Voilà, il va se faire le petit sniper qui va essayer de niquer sa série à chaque fois. Et il se le fait. Ah, merci, lance-patate. Parce que les lance-patates en hardcore, laissez tomber. Vous pouvez faire une 48 kills. Là, il y a une petite insertion à droite. Ouais, je la vois pas l'insertion à droite, j'ai vraiment du mal à observer des fois. XD Milan Forever, hein, vous pouvez l'insulter. Sur le PSN, ça fait plaisir. Vous pouvez aller frapper sa maman aussi. Non, je sais pas. Alors là, Gladiator, il a fait une triple. Parce que là, c'est vraiment que des multi-kills au lance-grenade. Bon, c'est sûr, c'est joli en bas quand on voit ça affiché. Mais bon, vous verrez que moi, j'arrive à afficher mon nom avec d'autres choses. Et là, il va commencer sa série en allant spawn au coin de la map. Là, vous allez voir que c'est assez impressionnant le spawn d'MW2 comme il est magique. Bah en même temps il n'y a pas trop le choix sur cette map. Bon là je joue en tactique parce que c'est vraiment super les touches tactiques là. Bon là j'arrive pas à les tuer. Je n'arrive pas à jouer en touche tactique. Ouais mais toi c'est que voilà quoi, t'as du mal comme gars. Et je joue en sensibilité 5 aussi parce que la Vector si on joue en sensibilité 9 c'est bubblehead quoi, ça tire partout. Donc là Rafika j'ai fait une petite bombardement alors qu'il la met en dehors de la map pour pas tuer ses alliés, il arrive à tuer deux ennemis, ça c'est bien joué de sa part. Quand on tue ses alliés en fait le kill revient sur soi et c'est. Ça fait un ricochet en fait. Ricochet hardcore. Là il voit qu'il y a trop d'encombrement dans l'espace aérien. T'as pris ta leçon. Et là vous allez voir que le mitrailleur ennemi se fait descendre. Donc moi je peux enfin mettre le mien et vu que je joue tout le temps tout seul sur MW2, enfin même à la play parce que je suis pas souvent à la maison, quand je joue tout seul.
Et personne peut venir me protéger, donc vu que ça s'affiche l'endroit où est le C'est gars pas en qui tue. privé. Ouais, c'est bah oui, on voit que c'est pas en privé, je connais aucun des gars. Bref, donc là, mon but, ça va être d'avoir une précision quelque peu chirurgicale pour éviter vraiment de me tuer, parce que ça fout les boules, quoi. Vous êtes à 20, vous tuez un coéquipier à vous, vous avez défoncé tout le monde et vous avez pas la nuque. Donc là, ça commence le viol, là, une petite... Ah, presque 6 feet, t'as un enfoiré à la serre qui... Hop, allez, la viol. Donc là, j'en fais un... En fait, on a l'impression de pas beaucoup en tuer en hardcore, parce Là, que il se fait les... tuer là. Ouais, je me fais tuer, on a l'impression de pas beaucoup en tuer, parce que les scores s'affichent pas. Enfin, les plus 100, plus 150, mais en fait, j'ai fait un multi-meurtre de taré pendant toute la partie, quoi. Enfin, toute la fin. Et là, vous allez voir qu'il va se faire une sacrifie, donc vous gâche pas la surprise. Ça commence à partir de maintenant. 1, Allez, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13. 13. Peut-être 14, je sais pas. Essayez de compter, nous, on n'a pas mis au ralenti, la Ouais. flemme. Ouais. Bon. Là, de peur que les rageux quittent la partie et que ça fasse un bug de connexion et que je vois pas ma belle bombe nucléaire, je l'ai tout de suite déclenché. Bon, j'aurais pu arriver peut-être à 100 kills, mais bon, on va pas trop se la péter. Et la PGM, Orafika. PGM, non, juste pour le style. On finit Orafika, là, quand dans le brouillard, la beauté poétique de MW2. Bon, allez, bref, ta gueule. Alors, on fait 10... il a fait 10-67-12, c'est un gameplay magnifique. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis ciao ciao et à la Pouce vert, prochaine. pouce vert, pouce vert. Ouais, mitraillez le pouce vert. Ciao.